Ah mais voyez, ah mais c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'il se montre? Ah ça change rien. Ah bah même comme ça, il a pas été très malin lui. Il a vraiment, vraiment pas été très malin. Je crois que c'est vraiment mon premier gros kill. Hein. Ah c'est horrible, pauvre. Et voilà, bonne chose de faite. Est-ce que mes parents sont fiers de moi? Ou bien ils s'en foutent? Ouais, je crois qu'ils s'en foutent complètement. Magnifique. Ah là, je suis trop content. Première victoire, excellent. Et surtout, premier gros kill. Franchement, on avait tué que des petits trucs. Et là, c'est la première fois qu'on tue vraiment un dinosaure qui est beaucoup plus grand. Donc ça me fait bien plaisir. Ah bah voilà. Hop là, je cherchais comment faire pour le déchiqueter dans tous les sens. Je crois que j'ai trouvé. Et là, je sais pas trop ce qu'on a en vrai. Déjà, on va sentir. Ah bah, c'est le 3 points, c'est ça. En même temps, il n'est pas très malin d'aller boire à côté des dinos, hein. Quand je vous disais, ah c'est dommage, je voulais pas qu'il se montre et tout. Bah voilà. Hein. Il a fait l'erreur. Il a vraiment pas été malin. Hein. Il y a un autre petit truc là-bas. Je sais pas trop ce que ça donne comme, comme diète. Est-ce qu'on le fait peur ou bien il est tout petit? Est-ce que c'est un raptor? Non, c'est pas un raptor, hein. Donc toi... Oh, il avait de la famille avec lui. Il devait avoir un frère. On va faire quelques réserves. Oh, il y avait un autre à côté, il a eu trop peur. Oh. Il y a un autre truc adulte là qui vient d'arriver. Hein. Je sais pas trop ce que c'est, il est en train de boire. Je vais lâcher ça ici. Ça, ça donne quoi comme diète? Ah, je crois que ça donne rien du tout. J'attends que ça se termine, après je mange les intestins pour avoir les deux barres. Je crois qu'il y a du mouvement là-bas. Je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il y a du mouvement. On est à combien là? 0%, vas-y, faut qu'il sorte ce petit S pour que je puisse manger le reste là. Oh! Oh, il a vraiment attrapé un truc! Mais c'est une dinguerie, c'est en train d'être un cimetière ici. Hein. Oh, excellent! C'est aussi du 3 barres, qu'est-ce qu'il a réussi à attraper? Enfin, 3 points. Un autre petit Serra? C'est un autre petit Serra. Enfin, petit. Un jeune Serra. Voilà, j'ai fini ça. Parfait. Du coup, je vais manger ça ici. Et normalement, ça me donne du 2 barres. Hein. C'est du 2 barres. Excellent. Bon, c'est un bon endroit ici hein, pour grandir sans l'accompagner des adultes. Alors, je pense qu'être accompagné des adultes, c'est important, hein, même primordial, parce que c'est eux qui vont pouvoir chasser des gros trucs. Là, il y a beaucoup de machins que j'aurais pas pu, moi, chasser si... Si j'étais seul, tout ce qui est plus lourd que moi, tout ce que je peux pas attraper. Hein. Là, le Serra, j'ai pu, mais il y a d'autres dinosaures plus gros. Si là, j'ai un stego adulte, je pourrais pas l'attraper. Parfait, bah, il manque le petit noir, là, le petit croco tout noir. Je sais pas du tout où il est. Oh, il a trouvé à manger? J'avais pas vu. J'ai la vision nocturne, mais on voit rien du tout. Hein. Ah, j'ai pas réussi à voir ce qu'il a mangé, dommage. J'aurais bien aimé savoir ce que c'était. Ah, bah, il est là. Attendez, je vais le laisser, hein, j'aimerais juste voir ce que c'est. C'est un autre Serra? Eh, encore un Serra. Et on est en train de liquider tous les Serras de la région. Ils étaient tellement nombreux ici. Ils sont en train de tous y passer un par un. Elle était vraiment grosse poisson. Hein. Ah là pour le coup, c'était pas un petit. Hein. Allez hop, dans le gosier. Parfait. Ok, mes parents sont toujours là. On forme une belle famille quand même avec les parents. Ça, je suis super content. Je sais pas si vous jouez le dino plutôt solitaire ou pas, mais moi le fait d'être en groupe comme ça, je trouve vraiment super sympa.
Mais c'est beaucoup plus sécurisant aussi. On va pas se le cacher. Vous voyez, il y en a un qui se tient au mur, hein, bien camouflé. Il y en a un autre qui se tient à la paroi. S'il y en a un des deux qui tombe, là, ça serait parfait. Après, ils sont agiles, ces petits trucs, hein. Ils arrivent à bien se maintenir et tout, ils arrivent à... Oh! Ça, par contre, ça arrive pas à se maintenir comme ça, hein. Ça aurait été trop bien que lui tombe dans l'eau. C'est excellent. Oh, ça commence à descendre. Ah, il a de la chance. Il a de la chance. Il a beaucoup de chance. Il est en train de manger, je pourrais pas venir par derrière. Je montre bien mes dents là. Petit malin va. Du coup, il mange face à moi. Je voulais sortir de par derrière pour le pour l'attraper. Ah bah voilà. Si là ma maman, elle est aussi par là. Elle est où ma maman? Il faut qu'on fasse barrage. Ah dommage. J'ai pas pu prendre tout l'espace que je voulais. Allez, je viens sur Terre pour te chasser. Je crois que je lui ai mis un coup, mais lui aussi mon ami. Hein. Eux là qui sont en train de grimper la falaise, ils sont quatre, je crois, il y a un tout petit avec eux. Ils sont vraiment trop beaux. Je vais aller vers eux, je vais faire un cri amical, j'aimerais les voir grimper. Hein. Oh, là, eux, ils peuvent pas tomber. Hein. Si on a un qui tombe là, ça sera fini d'eux. Hein. On se met comme ça face à eux, comme ça on leur montre les dents. Hein. On a la bouche grande ouverte. Ils savent que s'ils tombent, c'est dans notre bouche. En groupe, ça va être super fun à jouer ces petits dinos. Hein. Ils glissent un peu. Ils sont 5 en tout, c'est trop mignon. Ah, ils glissent, ils glissent, ils glissent, ils glissent. Non, en vrai, ils gèrent bien leur truc. Là, on peut rien faire, nous, pour l'instant. Oh, ce soleil. Il y a les rayons de soleil qui passent là. C'est clair, on doit prendre le soleil ici. Hein. Là, c'est important. On est un reptile, on a besoin d'UV. Du coup, on va clairement profiter d'avoir le soleil sur nous. Bon, pour prévoir la suite, je devrais peut-être le faire dans l'eau, ça. Hein. Allez, c'est pas grave. Nous, nous sommes ici, du coup, dans cette petite rivière-là. On voit que là, il y a une petite séparation. Bah non, on est dans ce secteur ici. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller à Swamp Center. C'est le lieu des dinos. Il y a des dinos partout ici. Et je pense que le temps d'arriver là-bas, là, on a à peu près quasiment 78% de grosses. Ah bah, je suis trop fort. Je suis beaucoup trop fort. Donc, on a 78% de grosses. Le temps de faire la migration d'arriver là, on sera quasiment adulte. Et en plus, on est avec mes parents, donc avec les deux. Je sais pas où il est passé le quatrième, mais ça m'embête beaucoup. Parce qu'à 4 là à Swamp, ça aurait été incroyable. Et on va se venger, les amis. On va se venger de Seraphie. Et surtout, on va se venger de Taureau, qui était le goat du goat des séries The Isle. Du coup, non, là, Taureau, il faut qu'on se venge. On va aller à Swamp Center et on va manger du Dino. On attend que quelqu'un fasse une erreur. Hein. Ah ouais, reste par là, tu verras toi. Lui, il peut s'accrocher aux parois, la chance. Il est juste là. Y a personne, hein. C'est bon.
Lui, il est juste là. Est-ce qu'on n'arrive pas à aller l'attraper, lui? Il est passé où? Il est juste là. Par contre, ça crie de partout. Ouais. Ah, j'hésitais à plonger et essayer de l'attraper. Mais je vais pas vous mentir, j'ai quand même eu un peu peur de la chute. Ah, il est trop lent. Allez, on va retourner dans l'eau. On prend trop la confiance. C'est quoi qui crie là-bas en bas? Il y a du Diablo. Oh, il y a plein de monde, hein. Oh! Ah, il a pas peur, hein. Il fait son malin. Je vais l'attraper, hein. Je vais avancer, il va faire moins le malin, lui. Regardez-moi ça. Regardez ce trouillard. Il suffit de faire un pas et puis c'est bon, il se barre. Hein. On est d'accord là, si je plonge, il y a de l'eau en bas, je peux pas mourir. Je suis un déno, je tombe dans l'eau, c'est bon, non? Oh, il y a un Serra. Oh, il y a des Serras là. Je vois les têtes des petits Serras dépasser. Sortir comme ça. Il fait trop son malin. Ça m'énerve. Le truc, c'est que si je tombe et que je meurs, bah là, c'est la fin de la série. Et je sais que si je meurs comme ça, vous allez m'en vouloir. Du coup, c'est trop de responsabilité pour, pour mon petit corps. Allez, lui, j'aimerais bien le choper. Je sais pas s'il m'a vu. Allez, on prend le risque. Oh purée, en fait il faut qu'on soit deux, hein. Si ma maman elle était là, elle aurait pu l'attraper quand il avait sauté. T'es un malin, toi. Ah, oh, ils arrêtent pas de crier, ça me rend fou. Ils me narguent sans arrêt. Oh purée, c'était pas loin. Ils prennent zéro risque. Ah, je peux pas grimper là sur le caillou. Et moi je vous dis, je pars pas d'ici tant que je les ai pas tués, hein. Et je suis têtu, hein. Je suis très têtu. Tant que je fais pas au moins un mort, je ne pars pas d'ici, hein. Ça peut être long, hein. La série peut durer 10 épisodes ici, mais je les aurai, hein. Je vous en fais la promesse. Ah, si seulement je pouvais être un peu plus près.